Et bien salut à tous, c'est Schizo, j'espère que vous allez tous bien. Merci beaucoup pour les subs offerts de Lambella. Merci énormément, on est au niveau 4 de hype. Et il y a Anthony Bayo qui vient d'offrir 20 subs, voilà, sur la chaîne. Et du coup, qui va nous faire péter cette barre. Voilà, c'est fait, level 5, j'ai mon plaid, impeccable. Ça fait plaisir, je viens de gagner un plaid Twitch, YouTube, je sais pas si vous vous rendez compte. Je vais être content, quand je vais dormir sur le canapé, je pourrais mettre mon plaid Twitch sur moi, ça va être impeccable. Merci énormément Anthony qui rince, vraiment, merci beaucoup. Du coup, nous sommes sur Farming, sur la carrière toujours de Zielanka. Je suis avec Katsu et Roro, j'ai toujours ma voix qui déraille un tout petit peu. Il y a du plombage à faire en obligation que je vais louer le plombeur du coup tout de suite, comme ça il y en a qui pourra partir dessus. Il y a la chaux à faire chez nous et il y a de l'engrais à faire chez nous. Voilà. Quel champ le plombage ? Tous. Tous ceux qui sont à nous sont à plomber. Enfin, tous ceux qui ont été préparés, quoi. Donc, le nouveau champ d'herbe, d'ailleurs, je vais aller leur montrer. Hop. Et moi, je fais quoi ? Oh putain, j'ai pas de point de spoon là-haut. Et. Attends, bouge pas. Eh ben, toi, tu peux faire la chaux, maman, s'il te plaît. Tu peux faire la chaux. Avec ton petit machin, toi ? Oui, non, avec, avec le case. Ouais, avec le case. Du coup, ici, on a fini de dégager tous les arbres. Voilà, tous les arbres sont dégagés. Comme vous voyez, on a besoin de chaux et doit être plombé. On a ressemé en herbe. On a de la fertile à passer. Donc, je vais attendre que Roro plombe. Et ça devrait bien se passer. Donc, il y a le 28-29 aussi, Roro, si tu veux. On a acheté quelques champs dans le dernier épisode. Je sais pas si vous vous rappelez. 67, 39, 41, 43 qui sont déjà préparés. Voilà. Du coup, on avait vu dans les occasions... Oui. Top. Refais-le-le en mode normal. 28, 29, 30, je dois aller plomber, c'est ça ? Plus le champ d'herbe que tu es en train de faire. 28, 29, tu vas plomber. Et plus le champ d'herbe qu'on est en train de faire de notre ferme, quoi. Notre corps principal. Ok, d'accord, ça marche. Merci, c'est bon. Ça y est, Dory ? Impeccable ? Oui, voilà, okay. C'est ça. Nemo ! C'est ça. Moi, le champ, c'est pareil, c'est les mêmes champs ? Ouais, c'est les mêmes champs. Il faudra vérifier les autres champs. On vérifiera ce qu'on a acheté, voir si les champs sont tous optis. Mais déjà, on s'attaque par ça parce qu'il y a quelques allers-retours à faire. Du coup, on avait vu en promotion la Big M450 à 201 000 euros. Comment vous dire que, au départ, on était tenté d'aller les chercher. Donc, on avait 90 000 euros de budget. J'ai dit à Katsu, va chercher les pommes. Elle est partie chercher les pommes. Elle a mangé toutes les pommes. Du coup, c'est pour ça qu'on a autant d'argent aujourd'hui. On a toujours le crédit, je vous rassure. On a vraiment toujours le crédit. On est toujours à moins 500 000 euros, mais on est à 284 000 euros. On avait aussi décidé, entre guillemets, de pouvoir acheter... la barre de coupe de la moissonneuse, ce qui va être fait tout de suite, parce que du coup la promo, quoi qu'on peut peut-être attendre la promo qui pourrait arriver très bientôt. On sait jamais, la barre de coupe elle peut se retrouver quand on va avancer le temps. Tu peux commencer par le champ d'herbe. Ouais, tu peux commencer par le champ d'herbe si tu veux. Ouais. Je vais pas déranger Roro derrière lui. Ou... Attends, non, il faut que tu passes derrière Roro, parce que si tu mets la chaux par-dessus les cailloux, Roro il va pas enterrer les cailloux avec le plombeur. Donc t'es obligé de passer derrière Roro. Normalement vous avez... Ah bah je suis obligé d'attendre un peu alors. Ouais, peut-être 30 secondes le temps qu'il fasse deux allers-retours quoi. Normalement Roro est censé aller plus vite que toi à la chaux. Hein. Ouais. Normalement je crois, ouais, je sais plus. Ça dépend de la largeur. Mais... Ah là ça devrait être bon moi. Enfin attention de pas recouvrir. Hein. Enfin normalement ça devrait le faire, je sais pas. Regarde. Je vous laisse gérer et je reviens vers vous dans 10 secondes quand j'ai fini le débriefing. Du coup... Et salut Storm, salut, ouais, si ça va bien. Si ça recouvre. Ouais, ça recouvre trop, ouais, donc ouais. Attends qu'il fasse deux allers-retours. Du coup, j'ai perdu le feedback, voilà, j'ai perdu où j'en étais, à force de me couper. La Big M, du coup, je vais peut-être pas l'acheter. Voilà, on va garder les sous pour commencer à aménager notre ferme. Parce que là, j'hésite Malango, franchement, je prends la Big M, je prends pas la Big M. C'est vrai que la Big M ça aurait été nickel parce que on va avoir quand même un champ d'herbe énorme à gérer. Mais je me dis que ça reste quand même un mode confort. Parce que pour 201 000 en matériel, on pourrait acheter ce qui nous manque. On pourrait acheter le semoir, parce qu'on n'a pas de semoir. J'ai dû louer le semoir pour préparer les champs. Donc ça nous a coûté de l'argent. Le bois, c'est pareil, nous a rien rapporté du tout. Non, quand je vous dis rien rapporté, c'est que ça a dû rapporter 30 000, 40 000 euros max. C'est les pommes qui ont plus rapporté. Ouais, les pommes ont rapporté. Et si je vous montre, le mobilier descend toujours pas. Hein, tu vois, et, le bois mobilier, ça produit strictement que dalle. Si on regarde niveau tableau économique,
Donc 284 000, toujours le crédit. Terrain vendu, bon ça c'est les terrains qu'on a joué avec. Les balles on a eu pour 25 000, les produits vendus 73 000. Voilà, qui est pas dégueulasse, qui est même plutôt propre. Merci Starlock pour le 5e mois d'abonnement qui fait monter encore un cran le... Straylock. Non, c'est Starlock. Mais c'est qu'en plus tu te fais... En plus, tu te fais ah non, c'est Straylock, pardon. Excuse-moi. Excuse-moi. Mais non, mais j'en ai deux, c'est bon ça, j'ai tendance à me paumer. Merci, t'as fait grimper la barre du Hype Challenge qui se terminera le 26 novembre. Où du coup j'ai gagné mon play de Twitch. Je sais même pas, je vous dirai qu'est-ce que j'ai en palier supérieur là. Je sais pas sur quel palier on est parti chercher. Du coup on va avancer ça, moi je vais prendre l'engrais, on verra au fur et à mesure au feedback, j'espère que vous allez tous bien. Et on est parti pour cette série déjantée avec Roro, Katsu et tout le monde. Non c'est Stray, pas Ster. Salut tout seul. Salut Straylock. Je t'appelle pas Sky. Je suis en train de me faire tailler aussi par Straylock dans le chat. Tu vois, je te l'ai dit. Bah il l'avait dit hein sur Satis. Comment il va Starlock? La forme? Ah la bonne vie intérieure. On va avoir besoin de toi sur Reco dans pas longtemps. Je sais que je t'avais payé le jeu. Il y a moyen que... Voilà que... On en discute de plus près. On a un gros événement qui est en train de se préparer sur Reco. Qui était pas prévu là tout de suite. Mais du coup, il y a les développeurs du jeu qui ont bipé les gros boss de la communauté FR. Et du coup, ça m'est revenu à mes oreilles parce qu'on est venu me chercher en tant un streamer de la communauté FR. Et du coup, ils nous ont proposé plein de choses. Un monde ouvert écho avec 200 personnes sur le même serveur. Du coup, ça va être un serveur de taré. Voilà, ça va être juste 200 fourmis qui travaillent dans le même sens pour arriver à buter un astéroïde qui va s'écraser en 30 jours. Je pense qu'on l'aura pété en 2 semaines, mais bon... En scénario, dans c'est comme ça. Oui. Dans le même sens, je sais pas, faut le dire vite, suivant comment. Oui, faut le dire vite, ouais. Du coup, on se retrouve avec un gros événement organisé par les développeurs avec plein de cadeaux à la clé, plein de clés de jeu à gagner. Nous qui vont rajouter une petite enveloppe parce qu'on sera sur les périodes de Noël. Enfin, sur la période de Noël, ça sera après le 12 décembre parce que la mage V10 de Echo sort le 12 décembre. Donc nous, on va peut-être démarrer le 15. J'ai pas encore de date officielle, mais je vous redirai. Mais à partir du 15 décembre, normalement, on devrait lancer le serveur pour minimum 2 semaines, voire maximum 1 mois. Je pense qu'on l'aura pété en 2 semaines parce que je connais la commu francophone, écho, elle est complètement tarée. En plus, on s'est tous réunis là, il n'y a vraiment pas de clan. C'est vraiment, on va tous se réunir, on va faire des mini-villages, des lois, on va faire des tribunaux, on va faire du RP. On va pouvoir taper sur la gueule à Roro, ça va être impeccable. Et du coup, il y a... Mais pourquoi pas sur la tienne? Parce que moi, c'est bon, j'ai assez pris tarif là. Et attends, j'ai pris, ah d'accord. Moi c'est bon, j'ai ma dose, foutez-moi la paix. Non. Et du coup, on aura un petit module qui vient d'être rajouté en fait dans ce jeu, Echo quoi. Et du coup, on va pouvoir interagir, vous allez pouvoir voter des lois, voter des punitions, on va dire, de voter plein d'interactions, je veux pas trop vous spoiler, mais plein d'interactions qu'on a rajoutées dans notre scénario à nous. Qui pourra être intéressant, donc ça sera un gros event de 2 semaines où tous les streamers de la Cita vont participer sauf Titoff parce que malheureusement avec son handicap il peut pas jouer clavier souris et c'est un jeu qu'on est obligé de jouer clavier souris, donc on n'aura pas Titoff mais on aura toutes les équipes au complet, donc il y aura Katsu, il y aura Roro, il y aura Kerr, il y aura Spartan, il y aura moi en staff intérieur, on aura Kali, on aura aussi d'autres gars qui vont venir de l'équipe Echo que pour les plus anciens d'entre vous connaissent. Donc ça promet d'être un événement de taré. À ça vient se greffer toute la communauté francophone, bien sûr, du jeu. Donc vraiment, on s'est tous réunis sur le même serveur. Donc ça fait plus de 200 personnes sur un serveur de jeu, en style Minecraft, avec des constructions automatiques, une technologie, une économie, une législation, une monarchie à créer, même une démocratie. Donc comment vous dire que le... Je suis pressé à y être. Je suis vraiment pressé à y être et je pense que ça va être le feu de Dieu, ce truc. Construction tout générée? Non, pas construction tout générée. Non. On part de zéro et on monte. Mode vanilla, il n'y a rien de. Il n'y a pas de règles, il n'y a rien. C'est à nous de tout faire. J'en profite pour glisser. Même pas pour les ceux... modes de l'appel et tout. Non, il n'y a pas les modes de l'appel, ouais. Non, bah c'est la Big Shuffle, tu l'auras quand elle sera en acier. Ouais, bah t'auras 3 crans. Big Shuffle, normalement, quand t'es en acier, tu l'as à 20, 10, quoi. 10 ou ouais, 10. Là, elle sera à 10. Ouais, quand elle sera moderne. Ouais, c'est ça. Pendant que j'y suis, et avant que j'oublie ici, par hasard, il y en a certains parmi vous
qui veulent se joindre à l'événement, mais et qui, par hasard, ne se sentent pas trop d'y participer parce que vous ne connaissez pas Echo, n'hésitez pas à prendre contact avec moi par Discord, parce que je vais organiser des séances de découverte sur le jeu. Donc voilà, pour ceux qui seraient intéressés. Déjà, nous, on va ramener les streamers, parce qu'on a quand même 3 streamers débutants qui connaissent pas le jeu. Donc déjà, on va faire un dimanche soir avec l'équipe complet sur Echo pour leur faire découvrir le jeu, voir les possibilités qu'il y a et tout ça. Donc on va être un peu en mode cheat, même en gros mode cheat. Mais au moins pour faire découvrir les métiers, les périssables, voilà, tous vos trucs. Donc si vous, ça vous intéresse de participer à Echo, vous pouvez toujours venir découvrir le live, je vous tiendrai informé. Voilà, je vous ferai un peu une petite pub là-dessus. Et derrière, pour ceux qui connaissent déjà le jeu et qui avaient envie de jouer, il faut venir dans mon Discord, il faut venir dans la catégorie Echo et me laisser un petit message. Et on vous comptera comme effectif comptabilisé avec l'équipe des streamers. Oui, parce qu'on va faire plusieurs villages et il va y avoir certaines communautés FR dans un village. Et nous, on essaye de monter une communauté streamer avec la commu des streamers. Pour dire qu'on est notre village à nous. Donc voilà. Et plus on sera nombreux, plus on va rigoler, quoi. Plus on sera de fous, plus on rigole. Donc c'est pour ça qu'on a besoin d'un maximum de monde et qu'on va faire du recrutement. Vous allez entendre parler dans les 2 semaines qui arrivent avec des visuels et tout. Ne vous inquiétez pas. On est en train de préparer ça. Dites-vous que là, on le sait depuis hier soir. Non, depuis... Ouais, depuis hier soir, je le sais, moi. Et j'ai prévenu toutes les équipes ce matin. Donc, comment vous dire que... C'est en train de piailler, là. Ça discute de tout et n'importe quoi, c'est incroyable. D'autres streamers ont à peine reçu du hype d'août, donc ça doit pas presser. J'ai pas compris Lambella. Ah oui, pour les cadeaux. C'est vrai que celui du mois d'août, je l'avais pas fait moi. Mais oui, mais quand ils seront là, de toute façon, on fera gagner ce qu'il y a à gagner. De toute façon, il y a 90% des récompenses là qui sont tous où je vais redistribuer à la commu. Après, le plaid, je me le garde pour moi, mais tout le reste, les cartes cadeaux, les chaussettes hype Twitch, voilà. Elles sont dedans. La carte cadeau 5€, la carte cadeau 15€. Il y a la bande d'arcade. La bande d'arcade, je sais plus comment elle s'appelle. Que c'est pareil, celle-là, je vous la ferai gagner aussi. On fera un tirage au sort, les général. Et bonsoir Jean-Luc, comment tu vas? La forme? Ouais, les cadeaux, Ponce vient de les recevoir et de les offrir aussi. Hein. Ouais, c'est pour ça, je te dis. C'est pas pressé, mais sachez que ça sera dans le coin et dès que je recevrai, je les ferai gagner, quoi. Donc ça sera peut-être pas pour Noël, ça sera peut-être pas pour décembre, ça sera peut-être plus janvier, février, mars. Je sais pas, on verra comment Twitch se bouge le cul. Mais voilà quoi. Surtout qu'on est nombreux en participant là sur l'événement cette année. Enfin, cette partie du mois là. Il y a même Zera qui s'y est mis, qui est déjà au level 10 je crois. Level 10, 11. Donc je crois que le dernier level les gars, attention c'est une PS5. Hein. Donc si vous voulez monter aussi haut, je suis preneur. Hein. Allez-y, hein. Et je la ferai gagner la PS5 parce que moi je suis Xbox, hein. Je suis pas PS. Hein. Donc il y a le casque VR avec. Hein. Donc on peut y aller. Bonsoir Chris, bonsoir. En tout cas, merci pour la participation. Je ne croyais pas monter aussi haut. On est à la moitié de tout l'événement. Et la moitié de la barre est déjà remplie, je veux dire, sur tout l'événement global. Je crois que ça dépasse pas le niveau 11. Et c'est déjà incroyable qu'on est arrivé là. Merci pour le follow, Jean-Luc. Merci. Ouais, c'est chaud vu le nombre de points. Ouais, mais après, ça prend des paliers de ça prend des proportions de ouf. T'es. Bah, déjà là, tu vois, on est à 175 000 d'XP à faire et on est qu'à 103 000. T'es. Donc là, il faudrait faire le palier 3 en entier pour dire d'avoir juste la fin du palier 6. Là. Enfin, la fin du palier 5. Après, à la fin, les paliers, ils sont juste des glingos, quoi. Mais c'est sympa. J'aime bien. J'aime bien l'idée de Twitch. Pour une fois, qui nous crée des événements autour de la commu et des streamers. Franchement, c'est impeccable. T'sais. J'étais déjà follow, je comprends pas. Ouais, des fois, il y a des unfollow quand t'es inactif depuis un petit moment. Je sais pas pourquoi, des fois, le truc, il délire aussi. Il n'y a pas à s'inquiéter, c'est rien. Je t'ai vu. Tu t'es unfollow pour trop follow pour avoir l'alerte. Voilà. J'ai compris. T'as triché. Tu voulais ton nom qui soit affiché. Sinon, à part ça, les enfants, comment vous allez tous bien? Est-ce que c'est la forme? Jamais t'arrêtes de parler, toi? Non, à part si t'as envie de discuter, mais sinon, soit t'habilles, soit j'habille, mais comme tu veux. Ouais, non, c'est. Écoute, en même temps, j'habille de mon côté parce que tellement que tu parles que je coupe le micro pour pas te couper. Vas-y. Donc. Vas-y, dis-le que j'ai une grande gueule, vas-y! Non, mais j'ai pas besoin de le dire, tout le monde le sait, je crois. J'ai tellement de choses à dire! J'ai tellement de choses à dire!
Ben moi aussi, il y en a plein. Il y a quand même Apocalypse déjà qui me dit qu'il sera présent pour l'événement déco. J'ai Mister Nestor qui me dit aussi que ça l'intéresserait bien. Bon, qu'il n'a pas le jeu, mais qu'il va regarder. Alors le jeu, vous pouvez le trouver que sur Steam. Le cherchez pas ailleurs. Il y est pas. N'allez pas sur K4G. Je vais me faire engueuler par mon partenaire, mais c'est pas grave. N'allez pas sur K4G parce que c'est un, ouais, c'est un partage de compte. C'est un partage de compte, donc. N'allez pas sur K4G, prenez-le sur Steam, valeur sûre, sans problème. Là. Et le mur invisible, là, c'est de la merde. Hein. Oui, c'est pour ça qu'il faut le faire en large. Et pas rentrer dedans comme s'il n'y avait pas de mur. Bah quoi, il n'y a pas de mur, moi, on ne met pas de mur devant moi, donc. Je voulais te le dire, mais moi, je l'aurais fait dans l'autre sens. Ouais, mais carrément. Bah, j'ai commencé comme ça, donc je finirai comme ça. Vous me connaissez en mode têtu, hein. Non, ça s'appelle mode con, c'est tout. Mais on t'aime bien quand même. Oui, oh bah écoute, hein, on m'a toujours dit, il faut bien être le con de quelqu'un. T'aurais longé le mur, ça aurait été plus simple pour toi, en fait. Non, mais laisse-le dans son dîner de con, là. Là, tu l'as pris sans patate, là, il est content. C'est bon. Sans patate. J'ai pris quand sans patate, tu peux me dire ? Non, mais c'était pour la blague. Je sais pas si t'as pris sans patate, surveille pas ce que tu fais. Ah, c'est bien ce qui me semblait aussi. Non mais oh. Je sais pas comment je vais. Et petit point d'exclamation défi hein, pour ceux qui sont chez moi si vous voulez réguler un moment. Allez-y, je sais pas c'est quoi sa connerie, mais allez-y quand même. Ça a l'air fun. Ça a l'air incroyable. Oui. Oh bah c'est une connerie que tu vas kiffer, ouais. C'est quoi ton défi de merde? Eh, tu me mets pas dans tes plans pourris toi hein. Ah si, sur farming, oui. Non. La paix. Je sais pas si ça va pas buter les cultures là, ce que je suis en train de faire. Ah si, ça va buter les cultures, je peux pas y aller. Oh, bah, il est déjà fertilisé à 100% en plus. Lequel qui est pas fertilisé à 100% là, que j'aille lui mettre un coup d'engrais dans la tête là. Ça sera pas dégueulasse. C'est... JM, pour le retour au travail, normalement j'y retourne lundi. Je dis bien normalement, parce que j'ai eu des nouvelles de ma santé. Du coup, voilà. Du coup, régime. J'ai deux fois le taux de cholestérol normal. Donc, du coup, je suis au régime. Ouais, j'ai plus le droit à plein de choses qui me font chier aux périodes de Noël qui arrivent. Mon anniversaire qui arrive aussi au mois de décembre. Comment te dire que. Voilà. Fuck la vie. Allez niquer tous vos mères. Vous me saoulez. Donc, voilà. Dans le principe, ça me saoule. Non, t'étais plus vénère du fait de ce qu'elle t'a dit la Toubib aussi. Oui, alors c'est vrai que j'ai un taux d'alcoolémie trop élevé, trop régulier. Et madame, je bois pas. C'est pas possible, monsieur. Vas-y, monsieur, madame, pardon, c'est une médecin. C'est une ou un ? Parce que là, on sait plus trop. Non, c'est une. Ça y est, qu'est-ce que t'as bu, hein, tu sais plus. J'ai rien bu, j'ai pris des oméga 3 pour réguler mon cholestérol. Et moi qui bois plus que lui, mes analyses, ils sont au top. Et alors, ça fait quel effet de te transformer en vegan ? Je t'emmerde. Voilà, ça va comme effet ? Je ne peux pas blairer la réponse. Mais oui, Fabien, ça serait une bonne idée de faire une petite vidéo sur Echo puis de la balancer sur YouTube. Eh, il y en a des vidéos Echo sur YouTube, si vous voulez, les gars. Il y en a plein à ma chaîne. Il y a le wipe, le dernier wipe qu'on a fait. Franchement, si vous voulez voir à peu près à quoi ça ressemble, n'hésitez pas, vous tapez... Merde. Putain, ça marche pas. Non, vous tapez pas ça. Tapez pas merde, putain, ça marche pas. Ça marchera pas non plus. Vous tapez Echo Schizophabe. Normalement, vous devrez trouver. C'est le projet Picard. Voilà, je m'en rappelle du nom. Projet Picard. N'hésitez pas à y aller. Et moi, je me souviens de l'IA qui dit « Eh merde, j'ai pas des congelés le plus intelligent. » C'est ça. C'est normal, l'alcool dissout la graisse. Ouais, non, mais ça marche pas pour l'alcool. Enfin, ça marche pas pour le cholestérol. Non. Donc oui, j'ai un taux de cholestérol un peu trop élevé, j'ai trop de globules blancs, j'ai une ferritine qui craine les plafonds. Enfin bref, j'ai 5 analyses sanguines qui sont complètement dégueulasses. Du coup, je suis au régime fruits et légumes 5 par jour, voilà. Hein. J'ai plus le droit à la viande alors que moi je suis un viandard, je suis un lion, je suis pas un lapin, ils m'ont foutu à la salade les bâtards. Du coup, voilà, je suis légèrement rageux sur ce sujet-là. Donc je vais pas m'attarder 40 ans dessus. Et merde, j'ai juste envie de crever. Et nous qui pensions venir avec un bon morceau d'Angus. Ouais, tu vas voir l'Angus, je vais te le mettre dans ton cul, Angus, ça va te détendre. Tu vas faire l'anguille. Ça va pas être l'Angus, ça va être l'anguille. L'anguille, l'Angus. Putain.
Comme quoi clavier, hein, j'ai dû faire un truc de merde. Un karma quelque part. Je sais pas. J'ai été puni, quoi. Enfin bref, c'est un. Enfin, on n'a pas. Du coup, j'ai un régime pendant 3 mois. Voilà. Après, on refera des analyses. On verra. Mais il y a d'autres trucs sous-jacents qui sont anormalement aussi. Donc là, pour l'instant, santé, bordel. Voilà. Dites-vous ça. Santé, schizo, égale bordel. Voilà. Autant que la chambre d'un gamin d'un adolescent de 14 ans. Voilà, ça doit être ça. Ça. Super Noël végétarien en vue. Ouais, c'est ça. Hein. Donc, une série sans vaches et seulement maraîcher. Ouais. Ouais, je vais arrêter de faire des vaches. Je pense que c'est le nombre de vaches que j'ai bouffé sur Farming que du coup, ça a dû me. Voilà, ça a dû me plomber. C'est ça qui a monté mon taux de cholestérol. Ouais, ouais. Donc, du coup, ça m'emmerde énormément. Mais bon, pas trop le choix. Mais j'ai la santé, ça, j'ai pas le choix de le faire. C'est pour ça qu'on fait que de la carotte depuis le début. Hein. Ouais, je comprends. Il y a des panés. Il y a des panés, ouais. Bah voilà, tu sais. Alors ce soir, c'était quoi le menu, du coup Alors ce soir, j'ai mangé concombre avec... Enfin, c'est concombre au yaourt, là, je sais pas si vous connaissez, avec un avocat. Des crevettes, thon. Vas-y, thon, crevette. Il a fait un écart parce qu'ayant mangé ça, moi je me suis arrêté là, tu vois. Mais mon homme, il avait encore trop faim. Du coup, il a pris des pâtes avec du beurre pour le cholestérol. Et avec une tranche de truite. Ouais, c'est ça. Ouais. Bah, c'est bien, ça t'a plu, t'as trouvé ça bon. Je veux mon beefsteak. Je t'emmerde, je veux mon beefsteak, moi. Non mais attendez, mais vous vous rendez pas compte, mais en fait, tout ce que vous aimez dans la vie, t'as plus le droit de le manger, tu sais. C'est ça. C'est ah un oui, truc ça, de fou, tu sais. C'est une horreur. T'sais, moi, je suis en train de péter un plomb dans ma tête. Tu vas au resto avec ta femme, tu fais KFC, tu fais McDo, Flunch, n'importe lequel, c'est mort. Tu veux faire kebab, c'est mort. T'es invité, il y a ta belle-fille, elle a fait pizza, c'est mort. Tu peux rien manger, quoi. Vraiment, strictement, raclette, rien bouffer, c'est quoi. Fini. Pourquoi une fois on me par cache mois, raclette. Il a le droit à une fois par mois, raclette. Et ouais, modéré. Carrément. Et bon, modéré, chez mon homme, il sait pas. Raclette modéré, il connaît pas. Ce qui est bien, c'est qu'au moins, dans cet épisode, on saura tout ton régime. Hein. Ouais, ouais, bah ouais, c'est super. C'est super. Tiens, je vais baisser l'alerte Streamly, tu sais, ça vous apprendra à me cacher ma caméra, bande de cons. Vous allez avoir un lien qui va popper dans le chat, les gars. N'hésitez pas à cliquer, cliquer dessus, ça soutient la chaîne. Donc profitez de l'offre Black Friday là, de Panasonic. Vous avez juste à cliquer dessus, hein, vous avez rien d'autre à faire, hein, vous inquiétez pas, vous n'êtes pas obligé d'acheter. Mais c'est un pay to click, donc n'hésitez pas à cliquer dessus, ça fait plaisir. Je te vois bien au resto, madame prend une entrecôte frite et schizo, bah moi une salade. Ouais, non, mais c'est pour ça que j'y vais pas. C'est pour ça que j'irai pas, moi, c'est mort. Et tu vois comment il est? Ça veut dire qu'il est au régime en fait. Non mais et pas là, si pas tout de suite. Petit resto et tout. Non mais vous voyez toi, bah t'as qu'à te trouver un amant, il t'invitera au resto. J'ai acheté un gros œuf Kinder pour mon fils. Je lui ai pas donné ce soir parce que ça fait trop tard pour manger un Kinder. Il dit ouais, tu peux pas le cacher là, il me fait l'œil. Ouais, j'ai dit planque-le, je vais taper dedans. J'étais obligé de cacher le Kinder. Non mais je suis pas gros, je suis pas gros. Je veux dire voilà, je me suis toujours fait plaisir quand j'ai des bonbons. Vous m'avez vu en stream, je tape dans les bonbons, je mange bien, j'ai un bon coup de fourchette. Mais je suis pas gros, je suis pas gras. Je fais 60 kilos pour 1m63. Oui, je suis pas grand, je vous emmerde. Mais voilà, je veux dire, je suis équilibré comme mec quoi. Bon, je fais pas de sport, mais je travaille énormément à côté, donc je pense que ça compense un minimum. Mais voilà quoi. Si, ta gueule. C'est très bien comme ça. C'est bon. Non, j'ai pas le temps de faire du sport, de toute façon, avec tout ce que j'accumule en activité, j'ai pas le temps. C'est pas du sport, je te dis pas de faire des pompes, je te dis pas de faire des. Des pompes, je les fais en stream en plus, oui, merci maman. Merci maman, je fais du sport, j'en fais en stream avec les gars. On organise des sub-pompes là, et sub-abdo et tout ça. Et voilà, tu sais, je veux dire. Y'a pas besoin, c'est bon, c'est nickel. Salut Taz, salut. Oh Taz, il faudrait que tu regardes notre Discord sur Echo, je crois qu'Echo t'est intéressé. Que tu regardes parce que je cherche du people. Oui. Ah oui, oui, oui. Oui, oui. Taz, oui, c'est... oui, 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 Taz, ça m'intéresse. Du reste, okay. Je vais sponsoriser la clé du jeu. Donc... D'accord, ouais, bah nickel. Moi j'avais fait Strelok. Ouais. 1m63, les bras levés sur le tabouret. Hein. Je vous emmerde. Hein. Mais merde, ah, mais quoi. Je sais pas qui c'est qui a noté ça, mais
C'est le gamer normand. Ouais, bah oui, t'as oublié le trampoline. Ouais, qu'est-ce que tu parles, toi? Un coup de vent, t'es plus là. Un coup de vent, on retrouve au Canada. T'as traversé l'Atlantique plus rapide que le Concorde, toi. Alors. Bah ouais, bah au moins je voyage rapidement, moi. Ouais, tu voyages gratis, toi, tellement que t'es léger. T'es... Eh, c'est ça. Puis la prise au vent avec la taille, hein. Ah, incroyable. Parce que voilà, c'est pas comme si j'avais 30 cm de plus que toi, quoi. Au moins tout ça. Ah bah tu fais un 63, je suis à 1,93. C'est bien. Vas-y, vende-toi. Hein, non. Je fais que de constater. La bonne taille, c'est quand tu touches par terre. C'est ce qu'il disait Coluche. Voilà. Donc, oui, fais pas ça, chier. C'est ce que disent tous les petits. Hein. Ouais. Quel avantage à être grand? Vas-y, donne-moi 3 avantages à être grand. À part aller choper un truc au-dessus de la cuisine. Quoi. Ah bah si, alors ça, c'est déjà le premier. Ouais. Le deuxième, okay. Tu te perds pas dans la foule. Le troisième, tu cherches quelqu'un, tu le trouves plus vite. Ouais, ça, c'est une légende. C'est une légende urbaine de dire que le petit va se perdre dans la foule. T'es. Ah bah quand tu cherches quelqu'un dans la foule, t'as meilleur temps d'être grand et d'avoir une tête de plus que tout le monde que d'être paumé et puis de voir que des dos devant toi. Ah oui, quand quelqu'un te cherche, on te trouve dans la foule. Ouais, dans ce sens-là, je préfère, t'sais. Je préfère carrément, t'sais. Surtout quand on l'a vu sur la chaîne Akatsu, il a la même grandeur que Katsu assis. Allez, bâtard. C'est pas vrai en plus, Katsu est plus petite que moi, mais non, bon. Non, je suis plus petite que lui. Je suis 1m58. Ah, les méchants! Et nous, les petits, on prend pas les portes de placard dans la tronche. Ouais, c'est ça. Merci, Romain. Merci. Alors, tout à fait. Hashtag Team Nain. On vous emmerde. Par contre, nous, bah, voilà, on n'est pas obligé de sortir une chaise pour pouvoir choper dans les placards du haut. Ouais, j'avoue. Mais quand t'es petit, tu fais en sorte que tes placards, tu les mettes à ta hauteur. Ouais, c'est un problème d'agencement de maison après. Mais tu vois. Voilà. On peut pas comprendre, lui, les locataires, alors. T'es mimi. Et Katsu, ta femme, est à la bonne hauteur? Ah non, merde, Peggy 18. Si je lui pète les deux genoux, ouais, elle est à la bonne hauteur. Ouais. Bonsoir, c'est sûrement pas un grand qui a inventé l'échelle. J'ai juste à me mettre à genoux. Ouais, c'est sûr que ça devrait pas être un grand qui a inventé l'échelle. Ouais, ça, je me doute. Ouais. Ça, c'est sûr et certain, t'sais. À chaque fois que je fais ma prière, je suis à hauteur. À moi, tu tombes de pas. Au moins, tu tombes de pas très haut quand t'es bourré. Ouais, il faudrait déjà pour ça que je picole. C'est donc, oui, pour en revenir à l'anecdote, avec mon état de santé, avec mes analyses de sang, en fait, le médecin, il m'a posé une question. Il me dit: vous buvez beaucoup d'alcool? Non, c'est ma femme. Il dit: vous buvez beaucoup d'alcool? J'ai dit non. Il dit: très rarement. Il me dit: vous appelez quoi rarement? Une fois par semaine? Une fois par jour? Il dit non, ouais, rarement, c'est deux fois par an. Il dit: moi, dans l'année, ça se compte sur le doigt de la main quand je prends un verre d'alcool. Et elle me regarde avec des yeux globuleux en mode: je suis un gros menteur. Il dit: non, mais si, je suis sérieux. Il dit: je bois très peu. L'alcool, c'est très rare. Il dit: non, par contre, ma femme, elle picole. Et elle, les analyses, elles sont bonnes. C'est... Putain, lol, quoi. Ton corps transforme le sucre en alcool. Ouais, ça doit être ça, je pense. Je sais pas. Coup de pas de chance, j'en sais rien. C'est vraiment la merde, en fait. C'est nul. Enfin, voilà, c'était l'anecdote. Je reviendrai pas sur le sujet. Je reviendrai quand j'aurai plus de nouvelles. Pour le boulot, je redevrais prendre normalement lundi, mais vu que le moral... ça m'a foutu un coup, moral, tout ça. Je garde la pêche et tout, mais j'ai pas envie d'aller bosser pour aller me tuer la santé encore plus. Donc, je sais pas ce que je fais encore. À l'heure actuelle, où on part. Non, on dit le boulot, c'est la santé. Ouais, quand t'as un boulot merde. Normal, basique. Ne rien faire, c'est la conserver. C'est ça, merci. Voilà. Donc, je vais pas rien faire, mais voilà, je vais peut-être tryharder du coup le projet Echo, tryharder la chaîne, les streams et tout. Du coup, il y aura un bénéfice pour tout le monde en fin d'année. C'est pas la mauvaise période. Bon, je crois que le boulot, il va se prendre, tarif dans la tête et puis voilà. T'sais. Ah, pas cool ça, Jérém, le syndrome d'auto-brasseur. Vous avez pas échangé vos prises de sang? Non, je crois que l'infirmière, elle a merdé, quoi. Mais je vous jure, le régime, c'est un enfer. C'est un enfer. La merde. Ah bah oui, surtout toi qui aimes bien la bonne viande. Moi, j'aime bien la bonne viande. Le régime, c'est pas que c'est l'enfer. Là, il dit que c'est l'enfer parce que ça lui est imposé. Ouais, mais quand tu fais un régime de ton propre chef... Ah oui, mais quand t'as la volonté... Faire, ça n'a rien à voir. Eh ben ouais, mais c'est pour ça... Quand t'as la volonté, je dis pas, régime. Mais quand t'as pas la volonté, ça, tu veux pas. C'est un régime forcé, on va dire. Baf, oui, 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 oui. D'accord. Ah bah oui. Ah bah carrément. Mais là,
Je partais d'une bonne volonté. Katsuo était au régime, elle voulait maigrir un peu. Du coup, je l'ai suivi dans son régime. Donc, tu vois, mon corps, il m'avait déjà appelé à dire, écoute, Schizo, faut que tu fasses gaffe. Ça serait pas mal, ouais. Voilà, tu sais, donc, tu vois, j'étais appelé. Puis, la clope, je suis passé à la vapoteuse. Je fume quasiment plus de clope du tout. Donc, voilà, tu sais, il y a eu un bol appel. Et quand en punition, enfin, en récompense, entre guillemets, tu te retrouves avec des analyses complètement négatives. Et que y a tout qui part en couille, tu te dis ouais mais what the fuck, je vais me remettre à bouffer du chocolat, Nutella et voilà, t'sais. Ça va être très bien comme ça, t'sais. Foutez-moi la paix, laissez-moi tranquille. Non mais c'est pas cool quand ça tombe comme ça, que t'aimes bien, puis que tu dois te dire bah merde j'ai plus le droit à ça. Bah c'est ça. Ah ouais. je me ferais bien un petit truc. Ah bah merde non je peux pas. Non, mais... Ah bah tiens je me ferais bien ça. Ah bah merde non. Tu sais quoi, depuis que j'ai eu les résultats, je suis pas retourné au magasin. On est retourné tout à l'heure là faire les courses. Je vais t'en raconter une mais. Plus j'avançais dans les rayons, plus j'avais une gueule de déprimé. T'sais. Puis j'étais en mode, je me décomposais au fur et à mesure que je change de rayon. Bah oui, parce que t'arrives, tu dis, ah oui, puis merde, ça je peux pas. Et puis merde, ça je peux pas non plus. Oh, puis chier, ça non plus. Ouais, puis tu tombes sur des trucs que t'avais pas pensé, c'est les glaces, un truc tout con. Les glaces, les sneakers, les Mars, les Twix. Ah bah ouais. Putain, niquez vos mères, quoi. Des glaces à l'eau. Comme le gamin. Oui, je vais sucer des bâtons de flotte, ouais. Mister Freeze, là. Oh, putain. Non, c'est nul. C'est nul. Ah, c'est vraiment pas top. Hein. Du coup, en matériel, il nous faudrait peut-être une sarcleuse, hein, aussi. Ouais, ça pourrait être une ça idée. Ça pourrait être pas mal, hein. Parce que avec tous les champs, une sarcleuse, ça va pas être dégueu, je pense. Du coup, on va racheter les sarcleuses. Mais ouais, c'est la merde. C'est la merde. Ça va bien se passer. Je vais défoncer mon foie. Non, c'est plutôt lui qui te défonce là sur ce coup-là. Ouais, là, c'est lui qui me défonce, là, c'est sûr. Ouais, là, il t'a dit, tu m'as vu, tiens, et bah paf. Ah, bah là, c'est paf le chien. Putain, il faut 170 chevaux pour la sarcleuse, c'est chier. Ça serait plutôt paf le foie, enfin, voilà, si vous me passez ce mauvais jeu de mots. Paf le foie, je vais t'en faire un. T'en faire un, moi, paf le foie. Toi, tu vas sarcler en 6 mètres si tu continues à me casser les couilles. Je vais te douiller. Est-ce qu'on a un tracteur qui fait 170 chevaux dans cette ferme là, ferme de vegan là, 140 chevaux et 180 chevaux, donc on peut avec le Fiat. Et ben on va acheter ça. Du coup, sarcleuse, on va prendre celle-ci hein, en 12 mètres. Qui nous permettra. Putain, j'aurais pu se mettre en 12 mètres, mais je suis vraiment con quand j'y réfléchis moi. Parce qu'avec la sarcleuse, j'aurais pu planter l'herbe quoi. Je suis nul! C'est pas vrai. Pourquoi c'est pas vrai? Qu'est-ce qui t'arrive, maman? Mais parce qu'il y avait des sacs d'engrais et quand j'ai cliqué remplir, ça m'a mis les sacs d'engrais. Ça me casse. Ah bah il faut que tu appuies sur I. T'es où? T'es au magasin là? Ouais. Et bah t'appuies sur I, tu vides. Oui. Pas trop proche de la barrière, ça va se mettre derrière. Oh putain. Ah bah trop tard. Oh mes sacs d'engrais! C'est sympa. J'en ai marre d'aller chercher derrière les sacs. Ouais mais ça c'est chiant. Surtout que je t'ai mis les cuves là histoire de dire que tu comprennes que je charge pas dans le coin quoi. Bah du coup là tu peux charger. Mais fallait quoi. Pas les mettre à côté du mien. Du coup on va devoir passer la sarcleuse après. J'ai avancé un peu le temps mais du coup j'ai pas de mission qu'on spoonait. Je peux peut-être encore avancer un peu le temps. C'est moche ça. La tu nous mets pas dans le noir hein. Non je te mets pas dans le noir, t'inquiète pas. Ouais, parce que moi j'ai peur du noir. T'as peur du noir? Ouais. Noir c'est noir. Il n'y a plus d'espoir pour le régime sans sucre et sans cholestérol. Quel connard. Je déteste. Je vais me faire poutrer moi. Si, j'ai du grain à vendre, mais au mois de janvier, si je crois. Donc j'ai les copeaux de bois parce que j'ai tout transformé. Ah oui, j'ai loué un broyeur, j'ai oublié de vous dire. Attends, bouge pas. Non, c'est pas juin. Pas pour ce que j'ai, c'est de l'orge. Donc ça doit être janvier, je crois. Ouais, puis non, c'est juillet. Du coup, tout le bois, pour pas faire une grosse perte, j'ai tout transformé en copeaux. Donc j'avais loué un broyeur. On avait tout fait ça en off-live sur Twitch, on va dire. On avait fait du off-live, donc vous l'aviez pas en épisode. Et du coup, c'est janvier pour les copeaux. Le soja, c'est juillet. Et l'orge, c'est décembre. Voilà. Du coup, la Bicron, Lambella, tu me poses la question, qu'est-ce que je fais de la Bicron? Bah, du coup, je vais peut-être pas la prendre, la Bicron. Parce que, comme je vous disais tantôt, la Bicron, si vous voulez, si on regarde un peu les faucheuses, en fait, si je prends une combinée faucheuse en Denner, j'en ai pas pour si cher que ça. C'est pas celle-là, c'est celle-ci. Voilà. C'est les Pottinger. J'en ai pas pour si cher que ça, quoi. J'en ai toujours moins cher que la Bicron.
Donc le seul problème, c'est peut-être qu'il nous faudra un tracteur un peu costaud pour tirer ça. Et encore, je crois que le Fiat les prendra. On vérifiera, mais si le Fiat le prend pas, on achètera un tracteur. Je sais pas si les Samsé, elles font, si elles font le café aussi, elles. 110, 220, ouais. Alors, peut-être que le Fiat va être léger, quoi. Mais je pense que je vais garder du budget, parce que va falloir qu'on lance le rendement. Il y a des poules, peut-être, qu'on va pouvoir acheter aussi. Ou soit on continue à la lancer, on fait les récoltes, on vend, et derrière, on achètera du coup les vaches pour manger de la viande, virtuellement, bien sûr. Je vous emmerde. Et puis voilà, quoi. Jaral. Voilà, c'est qu'à le dire. Du coup, on va se laisser là, YouTube. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à la prochaine. Je vais continuer à parler avec Twitch. Ciao, bonsoir. Ciao, ciao. On se retrouve au prochain épisode. Tchuss.